voyez que le comportement bien sûr de Carla est un petit peu différent à l'entraînement sommet de Bayern, ce qui se comprend puisque c'est une jeune boxière qui a la corde pour les toutes première fois. On va bien sûr admirer, apprécier le travail de Carla pour la mettre dans les meilleures conditions possibles pour le chef. Allez Jérôme, voilà le premier passage pour Jérôme Huffler avec Carla. Le café des sports, Jacques donne à nos barons de parvenir 40 euros de prime. Jacques Renaud a gagné 20. Dans la presse, le Mélusin à nos garons 30. Monsieur Samuel et Michel Maire de Bétous, 50 de prime. Confeuse Arc et Couleur à Aignan 20. Bricot d'Arty à Aignan va parvenir également 20 euros de prime. Merci aux généreux donateurs qui encouragent le comité. Allez, David Martinez pour préparer le deuxième galop de Carla. Voilà, et le passage pour Jérôme. Alors, on a demandé un petit changement max de départ, je crois, pour la coursière, avec un départ côté loge pour apprécier le comportement dans l'autre sens. Ce qui n'est que mieux pour vous, dans le public, dans les gradins. Vous allez pouvoir apprécier le galop de Carla avec un départ côté loge. Départ d'en bas, comme on dit dans le jargon traditionnel. Pour Monsieur Turon, le brindis de Thomas Dessis. Allez, Thomas Dessis, l'écarteur de Bizanos, et qui est des Oz, bien sûr, originaire, un peu sur ses terres lui aussi. Voilà, et le passage pour Thomas Dessis avec Carla. Et une coursière bien suivi par Jean-Claude Tasté, qui commence à avoir un comportement qui bien sûr se bonifie et se complique aussi quelque peu en partant bien vers l'extérieur. Il faut bien sûr que la maîtrise de l'écarteur pour bien la travailler. Voilà, et le passage de nouveau pour Thomas, ça passe très près. On la replace. 4 quarts d'effectuer face à Carla. Camille Pujos. Allez Camille, garçon qui lui aussi est un garçon d'expérience, qui va donc affronter Carla pour ce cinquième écart face à la coursière, alors que David se charge de la préparer. Voilà, il s'est bien replacé Camille. Vous avez vu, il a apprécié le départ de la coursière et son comportement, il s'est replacé dans le bon terrain. Monsieur le maire, ce sera le prochain écart de Camille Pujos, Michel Saint-Ligne, qui va pouvoir apprécier ce brindis. Camille Pujos, un enfant de Bétous aussi, va venir effectuer ce sixième écart face à Carla. Vous voyez que Pierre Allaire la maîtrise tout à fait maintenant. Elle commence à être bien dans le jeu, elle a compris ce qu'on attendait d'elle, elle n'attend plus que le signal de départ de l'entraîneur pour démarrer. Allez Carla, allez Camille, voilà le bon écart pour Camille. Je vous avec Carla, et Camille qui demande qu'on la rechange de côté. Assurance à Viva, monsieur Bayol, Nogaro nous a fait parvenir 25 euros de prime. Chaussures Carole à Nogaro 10, Electro Trandé, monsieur Laborde à Nogaro 20, le Café du Progrès, monsieur Tartas à Nogaro 50, la boulangerie Pontonnette à Nogaro 20 de prime. Voilà, David aux prises avec Carla pour la préparer dans les meilleures conditions possibles et remettre les ficelles dans le bon ordre. C'est là que l'expression connaître les ficelles du métier prend tout son sens. Voilà, ça fait le coup d'œil impeccable des deux garçons à l'entraînement.
Alors, Jacques Amy, tu reçois une prime de 5 euros de la part de Monsieur le maire. Allez, le départ de Carla, préparé par Pierre-Alain Castex pour l'écart de Jérôme Roulier qui va l'offrir à Didier Cassagne. Allez Jérôme, il va s'appliquer bien sûr le maximum dans cet écart sur 20-10. Voilà, et l'écart au plus près pour Jérôme Roulier avec Carla. Le vrai 10 de Jérôme Roulier pour la choucroute. Il paraît qu'elle se reconnaîtra. Voilà, David Martinez à l'entraînement qui prépare Carla. Et d'ailleurs, les hommes en blanc viennent de recevoir une prime de 20 euros de la part du président. Jean-Luc Arambax qui remercie donc les hommes en blanc. Voilà, le passage de nouveau pour Jérôme Roulier. Alors, moins 5 euros de plus de la part de la choucroute pour Jérôme Roulier, ce qui veut dire qu'il va falloir que tu mettes la main à la poche. Pour monsieur le maire de Sorbetz, le Brindis de Thomas Dessis qui va terminer la sortie de Carla. C'est ce qu'on a pu apprécier. Préparé maintenant par Pierre-Alain pour l'écart supplémentaire de Thomas Dessis. Voilà, et le dernier écart d'ailleurs pour Thomas avec Carla. Oui.